présente une recette très simple, c'est du risotté, le plus simple du monde, juste avec du riz, c'est le plus important. Alors, pour faire ce risotté, le plus simple, c'est avoir un reste de riz, donc laisser au frigo pendant 2 ou 3 jours. Et donc, les graines, elles sont bien séchées. Voilà. Et comme ça, c'est idéal pour faire le risotté. Donc, maintenant, on commence à battre les œufs. Un œuf. Le bien battre pour qu'il soit bien homogène. Maintenant, on va couper la ciboule en petits morceaux, en rondelles, comme ça. Pas besoin de couper trop petit. On met environ 2 cuillères à soupe d'huile. Il faut que l'huile soit bien chaude. Et après, on va frire les œufs. Et là, vous les séparez tout de suite en petits morceaux. Donc, ça cuit très vite, hein. Et là, tout de suite, on rajoute le riz. Vous baissez un peu le feu. Après, on va mettre la sauce soja. Là, la sauce soja claire. La sauce soja foncée, juste un tout petit peu parce qu'elle est vraiment très foncée. Là, vous mélangez tout de suite pour que la couleur répartisse bien. Et donc, c'est presque fini. On va rajouter les ciboules. Pas besoin de trop cuire les ciboules. Là, on peut arrêter. On arrête le feu. Et à la fin, un tout petit peu d'huile de sésame, un filet, comme ça, juste pour parfumer. Voilà, c'est prêt. Vous voyez, c'est très simple.